et bienvenue sur ce plateau de SPS Sauvé pour Sauvé. Je suis Madame Odimba, Maman Bibi, et je suis dans la joie de vous recevoir encore une place de, une fois de plus sur cette plateforme de Sauvé pour Sauvé. Ici, sur, dans Sauvé pour Sauvé, en tout cas, tout est pour la gloire de Dieu. Jésus est vivant et nous bénissons les Seigneurs pour la grâce qu'il nous fait d'entrer dans un nouveau mois qui est le troisième mois de l'année. Je suis avec ma sœur Fidélie, Madame Kaouzi, à qui je viens dire bonjour Maman Fidélie. Bonjour Maman Fidélie. Hey, les Seigneurs nous a fait entrer dans un nouveau mois. Amen. Amen. Le troisième mois de l'année. Alors, est-ce que tu es remplie de joie, ma soeur? Je suis remplie de joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Alors, on va prendre quelques minutes pour louer le Seigneur. Son nom, waouh. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Ah, tu sais, moi, j'aime bien danser. Danser, chanter, crier là. C'est pour la gloire de mon Dieu. Mais est-ce que tu sais, Maman Fidéline, quand on était dans le monde, bon, toi et moi, on est partout. Est-ce que quand on était dans le monde, on voyait vraiment, tu entres dans la piste et la manière dont on s'est cassé? Non. Alors, si c'est pour ce Dieu qui nous a sauvés, Jésus, alors il faut être, je ne sais pas, timide. Mais il faut danser avec réserve. Timidité, ou bien, amen. Ou bien il faut danser hein, comme les ministres, tu vois. Quand ils sont là, faut bouger, il faut sauter, faut vraiment. Parce qu'il y a des chansons en lingala qui demandent. Tu danses où? Donc, au Pinakawap. D'accord. Nous, on danse ici. Amen. On danse dans les. Dans le Seigneur, ce n'est pas seulement les adorations. Non. Il y a les louanges aussi. Hey, maman, c'est en Jésus vraiment que quand tu danses, la présence du Saint-Esprit. Amen. Hey. Amen. Même en dansant, là, on va, je ne sais pas, en dansant le mur de Jéricho. Ah oui, ça c'est aussi vraiment bien. C'est en dansant, oui. Ah, la louange et l'adoration a fait tomber les murs de Jéricho. Amen. Hein. Donc, l'atmosphère là, hein, louer, chanter, adorer, vraiment c'est ça. En tout cas, hey, ça c'est MCI TV, Osa la musique. Ah, amen. Seigneur, nous te bénissons. Peu importe ce que nous vivons. Amen. Quand nous devons seulement glorifier. Amen. Nous devons seulement louer, être en joie. Amen. C'est comme ça. La joie du Seigneur est notre force, amen, notre partage. Est-ce que nous n'avons pas de problème? Si on commence à parler de ça, on va aller même jusqu'à demain. Amen. Nous avons des problèmes, mais nous chantons, louons, dansons pour celui qui est la solution à nos problèmes. Hey, il s'appelle Jésus, maman. Hein, même si ça va mal, commence à adorer. Il nous voit, il voit que nos enfants, elles ont des petits soucis. Hein, oui. Mais il voit que malgré ça, on est en joie. Amen. On a des enfants, on joue avec les enfants, amen, on est bien. Mais lui, ça lui fait même plaisir. Amen. Et même là, il va même arranger ses petits soucis là plus vite. Et comme les enfants, les mêmes, comme ça, triste et tout ça. Non, non c'est pas, pas ça. Ah, non, notre Dieu est bon. Si David dansait dans la présence de Dieu, comme lui qui était roi, hein, donc il s'est cassé pour danser. Il roulait même par terre. Hein. Bon, toi et moi maintenant. Hein. Ah, à qui tu as fait grâce? Tu danses hein? avec fierté comme ça. Non, tu danses comme des ministres. Quand il est au costa déjà, donc... C'est une danse réservée, voilà. Aujourd'hui, nous sommes juste venus passer le temps pour louer, célébrer notre Dieu, dire merci à notre Dieu parce qu'il nous garde. Alors, Maman Fidéline, comment ça se passe chez toi le mois de mars? Aujourd'hui, c'est dimanche. Ah bon? Oui, c'est le premier dimanche du mois. Amen. Et nous avons eu la Sainte Seine. Amen. Parce qu'avec tout ce qui se passe, les coronavirus. Non, nous, dans le royaume des dieux, on ne parle pas de coronavirus. Non, on parle de la santé divine. Amen. On parle de la joie du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de maladie. On, on a les sang de Jésus en nous. Amen. Donc quand il y a les sang de Jésus en nous, il n'y a pas de place pour coronavirus. Non, il n'y a pas de place. Alors, c'est quoi ça? Ce début de mois, nous avons choisi d'entrer en louant, en dansant. Maman, c'est parti.
Hey, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, hey, oh, j'ai envie de sauter. Hey, oh. Hosanna la musique, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment. Oh, MCTV, que Dieu vous bénisse. On est vraiment remplis de joie dans nos familles, dans nos maisons. On est bénis en suivant MCTV. Oui, hein. Hosanna. Oui, Hosanna la musique, voilà. Hosanna la musique, et pas seulement ça, il y a beaucoup de plateformes qui nous bénissent. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour vous et que le Seigneur continue à vous faire du bien et à vous utiliser, à vous remplir, parce que c'est lui qui nous remplit. Nous ne pouvons pas parler de Jésus si ce n'est pas par le Saint-Esprit, si ce n'est pas lui qui nous donne la force. Amen. Amen. Maman Fidéline, comment tu peux encourager une femme qui se trouve dans des problèmes aujourd'hui et qui a vraiment baissé les mains, qui dit « Ah, moi, vraiment, les sœurs là qui sont en train de rigoler ou bien de louer, d'adorer, est-ce qu'elles ont vraiment des problèmes ? » Qu'est-ce que toi, tu peux comment tu peux les encourager ? Je peux les encourager en disant « Je vous communique ma joie, je vous communique ma foi. Mm-hmm. » Mais pas, c'est, donc, aussi longtemps que nous sommes en vie, il y aura toujours des petits soucis, il y aura toujours des problèmes. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ça qui doit faire qu'on puisse être triste et comment dirais-je, et perdre la force que notre Seigneur nous donne. Mm-hmm. Non, non, il y aura toujours des problèmes. Mais moi, je me rappelle, c'est mon évangéliste à Stockholm en Suède me disait: Maman Fidéline, si vous voulez que les problèmes finissent, les soucis là, demande à Dieu et de tuer. Chose que ouais, je salue l'évangéliste Guy Thierry. Amen. À Stockholm. Il disait: non, aussi longtemps qu'on vit, il y aura toujours des petits soucis, des problèmes. Mais ce n'est pas ça qui doit enlever en nous la joie du Seigneur. Amen. Non. Faut s'élever. Faut se battre aussi. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons, Dieu nous donne la force, non? Déjà du fait que c'est par sa grâce. Déjà du fait qu'on se réveille le matin. Le souffle de vie là. C'est déjà pour moi, cela veut dire déjà qu'il y a l'espoir. Amen. Il y a l'espérance. Amen. Comme la Bible nous dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Ma soeur, moi je viens t'encourager à ne pas baisser les bras, à continuer à espérer à notre Dieu. Et j'aime ce passage de la Bible qui nous dit même que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos problèmes à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ma soeur, en tout cas, Dieu est là. Il est la solution à tes problèmes. Jésus est là. Ne t'inquiète pas. C'est à Jésus que tu dois recommander tous tes problèmes. Hey! Sois joyeux. Chante, danse, même pour lui. Remets, soumets-lui ses problèmes. Même en chantant comme ça, on danse. Amen. Oh, il faut savoir qui tu es en plus. Ah, amen. Ah. C'est ça. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? En tout cas, et c'est lui qui est en toi. Donc, si tu sais qui tu es, et c'est lui qui est en toi. Cela veut dire que toujours combattante, toujours la tête haute. Amen. Toujours joyeuse. Je sais qui je suis. Il faut connaître ton identité. Ah, yes. Ton identité en Christ. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, sache qu'en Jésus, on a une identité. Amen. Maman, la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc, c'est quand tu es enfant de Dieu que ce pouvoir, Dieu te le donne. Amen. Amen. Donc, tu peux parler aussi au problème. Hé, viens soir, madame. Amen, gloire à Dieu. Tu peux dire, je marche, tu peux parler au géant qui peut s'élever devant toi. Tu peux commander aux montagnes de quitter. Donc on vient encourager une femme en ce mois de mars. Le mois de mars qui est même le mois de la femme. Oui. Wow. Les femmes d'impact seront, parce que nous sommes de l'église IFF. Toutes les femmes d'impact seront, ici c'est Bruxelles,
seront, on aura notre soirée des femmes le 14, samedi 14, donc on va passer de bons moments. Même si vous n'êtes pas de ICC, amen, mais venez nombreux, et c'est le mois de femmes, et tant que femmes d'impact, on va être en joie, on va écouter la parole de Dieu, il y aura vraiment beaucoup des ateliers et tout ça, on vous invite, on profite, je profite de vous inviter. Amen, nous lançons cette invitation à toutes les femmes qui vont nous suivre. Si vous êtes à Bruxelles, en Belgique, même aux alentours, en Hollande, vous êtes Luxembourg, en France, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Nous serons dans la présence de notre roi, de notre maître. Donc, bon début du mois de mars. À vous toutes les femmes au travers le monde. Jésus nous aime. Dieu nous a créé des femmes. Être une femme, maman, quelle grâce. Être une femme, je te dis non, Seigneur. Merci de nous avoir créé des femmes. On prend le temps pour se maquiller, pour les cheveux, pour se mérer. C'est pas hasard qu'on a été créé femme. On donne la femme, nous on donne la vie. Amen. On donne la femme, vie. La femme. Le monde là, sans la femme, ça allait être même pire encore. Bon, sans la femme, les hommes ne vont pas naître. Ça, il faut reconnaître. Nous les femmes, par la grâce de Dieu, nous sommes des êtres. Être fiers, même seulement d'être femme. Il faut être contente pour ça. Amen. Parce que nous, on a beaucoup. Vous voyez, maman bébé, oui. Étant que femme, vous savez que nous, étant que femme, on peut faire plusieurs choses à la fois. Nous, Dieu nous a donné. Nous a fait grâce. Oui, oui. Même, je sais, ma marraine, ma mère spirituelle, maman Marthe Cavassel, que je salue, elle se demande. Et quand parce que Adam, Dieu, et Adam, il dormait, non? Oui. Quand Adam dormait là, et c'était maintenant, vous savez quels sont les secrets que Dieu a partagé avec la femme? Mm-hmm. Quelles sont des choses que Dieu nous a données, que même il n'a pas donné aux hommes? Il y a beaucoup de détails. C'est chaud. On est spécial, nous les femmes. Vraiment. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous a, de nous avoir créé femmes. Amen, hein. Donc, nous sommes des mamans par la grâce de Dieu, des épouses. Nous rendons grâce à Dieu. Être une femme, moi j'aime bien. Nous prenons beaucoup de temps. Mon mari qui se plaint. Ça de ce côté-là, de ce côté, l'homme qui se coiffe, qui fait, je ne sais pas, 10 minutes, il s'habille, mais nous, on doit se maquiller, on doit chercher les trucs, on va faire ça, les looks d'oreilles, tous les bon, choses. Je comprends vraiment, le pour mais vous, bon. Sans un peu de poireau, sans un peu de sel, des cubes. Tout ça va ça, pas, hein, c'est pas, hein, donc il faut un peu de, hein, vous comprenez le langage des femmes. Donc nous bénissons les seigneurs, les femmes, c'est le mois de la femme, Dieu nous a fait grâce d'être des femmes, des mamans, même si tu n'es pas encore mariée, et ton tour arrive, t'inquiète pas, hein, si tu n'as pas encore d'enfant, ton tour arrive, hein, nous rendons grâce à Dieu pour chacune de nous. Et nous bénissons le Seigneur, nous disons qu'il est merveilleux. Nous bénissons l'Éternel pour tous les mamans, pour nos petites sœurs chéries qui eux aussi sont mariées, qui ont aussi des enfants vraiment. Et même vous qui n'êtes pas encore mariés, Dieu nous a dit, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, ça veut dire que chaque femme a son homme. Donc voilà, même vous qui n'êtes pas encore mariés, sachez même, même qu'il soit au fin du monde. Même là où coronavirus, même en Chine. Coronavirus, là, c'est pas une histoire d'enfant de Dieu. Non, nous, on n'a même pas peur de ça. On est immunisé. Amen. Oui, on est immunisé. Alléluia. Par le sang de Jésus. Amen. Donc, on n'a pas peur de ça. On va nous toucher. Non, on ne craint pas ça. Tu sais, maman Fidéline, tu sais, la Bible nous dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, on ne craint pas. On est conscient de notre identité en Christ. Amen. Donc, coronavirus, ça ne sera pas
On est, vous avez dit, maman, Bim, on est immunisé. Ah, nous, on parle, c'est quoi ça? Nous, vraiment, la corona, mais qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a pas ici, ça n'entre pas. Ça n'entre pas, c'est bloqué. Amen. On est blindé par le sang de Jésus. Amen. Oh, merci. Amen. En tout cas, c'était juste pour vous souhaiter bon début du mois de mars à toutes les femmes, à toutes les mamans. À toutes les jeunes filles. Hein, ce mois de mars est un mois spécial, en fait. Et puis, c'est le troisième mois de l'année. Amen. Chiffre 3, c'est un chiffre... Amen. Amen. En tout cas, bonne soirée chez vous, des bonnes choses. Une femme qui n'a pas encore reçu le Seigneur, nous venons vraiment t'encourager. Ma sœur, Jésus revient bientôt. Amen. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvée. Tu seras sauvé si toi, aujourd'hui, tu acceptes d'ouvrir ton cœur à Jésus. Tu acceptes de dire oui à Jésus, d'inviter Jésus dans ton cœur. Si toi, tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et que tu crois en ces dieux, tu seras sauvé. Donc, le temps est proche. Jésus revient bientôt. Yes. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Yes. En tout cas, maman Fidéline, nous allons atterrir. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vous aime tous, tous les mamans, toutes les femmes au travers du monde. Je vous salue. Et en tout cas, merci à vous. Comme maman Bibi a dit, prenez soin de vous. Soyons fortes, soyons joyeuses. Amen. Et parlez de la part des dieux. Et remplissons-nous, que nos cœurs soient remplis d'amour. En tout cas, je vous aime beaucoup, vraiment. Fière d'être une maman dans les seigneurs, fière d'être une femme d'impact. Amen. Les femmes d'impact. Gloire à Dieu, nous bénissons les seigneurs, en tout cas. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée dans vos maisons, dans vos familles. Bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Jésus revient bientôt, restons fidèles à Jésus. Excellent mois de mars et de très bonnes choses à vous tous. Nous saluons Dikina TV. Ah oui, ma soeur Dikina TV. Ma soeur Dikina TV, des gros bisous. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Et Jackie Chams. Ma sœur à Londres, que Dieu te bénisse, Madame Chamala. Et vraiment, Cathy Aranga, que Dieu te bénisse, ma sœur. Cathy Miguel, que Dieu te bénisse. Et vraiment, Anato, la femme forte, les femmes combattantes, les soldates de l'éternel. Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Madeleine Olungo, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Je tiens à saluer aussi, qui tu peux saluer? Mamidie Kongolo, les femmes fortes dans les seigneurs, maman Wali Oyomba, il y a beaucoup vraiment, madame Beauchab, notre petite soeur Rachel Beauchab, des gros bisous à vous, madame Guilain Omelonga, Liliane Omelonga, Amen. En tout cas des gros bisous, ma petite soeur chérie aussi, madame Okito, la Rose Massimango, en tout cas on vous aime beaucoup. Amen. Je fais coucou à ma belle-sœur, jus d'orange, que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse, maman Amen. Bana. Amen. Et vraiment, je tiens aussi à saluer ma sœur Chantal Luana, vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Lolita Kaya, 8000 km, Kinshasa, le panier, que Dieu te bénisse. Et aussi, je tiens à saluer cette grande dame, la femme d'impact, le pasteur Astrid Poutella, madame Jaco, des gros bisous. Amen. Et que Dieu nous garde. Voilà, en tout cas, oui, dis-moi. Non, notre belle sœur à nous aussi, madame Kaya. Ah, madame oui. Guénor Kaya. Madame Kaya, des gros bisous, en tout cas, tante Imas, oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, à nos mamans, mamie Monique, des gros bisous, et vraiment à toutes les femmes d'impact, que le Seigneur nous garde, de gros bisous. Jésus revient bientôt. Restons fidèles à Jésus. Restons fidèles. Continuons à faire l'œuvre de l'Éternel. Amen. Continuons à parler de Jésus. Amen. Continuons, par la grâce de Dieu, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, à racheter les temps. En tout cas, excellente soirée et bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Restez connectés sur SPS Sauvé pour Sauver. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, parce que pour nous, c'est une manière de nous encourager.
Que Dieu vous bénisse. Ciao, God ciao. Bless you. Bye bye. Bye bye. Hey, ma soeur, en love tout cas, you. Moi, je vais continuer à danser. Hey, je sais qui je suis. Moi, je sais. Je suis à racheter. Hey, en tout cas. Oh yes. Amen. Bon, notre Dieu. Si t'es vie en moi, oh, son nom c'est Jésus, oh, je louerai Jésus. Amen. Il y a un seul nom qui sauve, hein? Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Pasteur, je crois qu'il faut laisser les mamans et leur dire au revoir, sinon on va continuer à parler. Bisous, bisous.